Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, se préparer pour la crise finale. C'est dans le contexte du retour de Jésus, 1 Thessaloniciens 5, verset 6, que l'apôtre Paul a exhorté les croyants de Thessalonique à rester éveillés, sobres. Il aura aussi dit qu'ils étaient des enfants de la lumière, verset 5, version du second, qu'ils n'étaient pas en pleine obscurité pour que ce jour, le retour de Jésus, les surprenne comme un voleur, verset 4. Si Paul a exhorté ainsi les pieux croyants de Thessalonique, combien plus nous exhorterait-il aujourd'hui? Jésus a utilisé le mot veiller en relation avec une prière sincère et ardente. Matthieu 24, le verset 42, Matthieu 26, le verset 40 et 41. Veiller, c'est être spirituellement alerte, être sobre d'esprit, c'est prendre au sérieux l'époque dans laquelle on vit et se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Ellen White ajoute, nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'événement terrible qui va surprendre le monde. Texte tiré du livre Événements des derniers jours, chapitre 3, à la page 37. Livre écrit par Ellen G. White. Si la seconde venue du Christ peut surprendre le monde, il ne devrait certainement pas en être ainsi pour nous. Bien que nous ne sachions pas quand elle aura lieu, nous voyons suffisamment de choses à la fois dans la Bible et dans les événements mondiaux actuels pour savoir qu'elle est imminente et que c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut être prêt. Il n'y a pas une seconde à perdre. Jésus nous a donné le message des trois anges pour que nous puissions nous préparer à ce qui vient. Les prophéties de Daniel de l'Apocalypse, combinées aux dons de prophéties modernes, fournissent un aperçu divin des événements futurs. La parole prophétique de Dieu décrit à l'avance l'histoire du salut et les prophéties de Daniel 2 qui se sont accomplies telles que prédites fournissent une preuve puissante et rationnelle que Dieu est digne de notre confiance. Dieu lance un appel final à son peuple, fuir les erreurs de Babylone et marcher à la lumière de la vérité éternelle renfermée dans sa parole. Apocalypse 18. La clé de tout, c'est la Bible. Tant que nous nous en tiendrons à la Bible et suivrons ce qu'elle enseigne, nous ne serons pas trompés lors de la crise finale, en particulier en ce qui concerne le sabbat. Le message du second ange nous appelle en outre à accepter la vérité plutôt que l'erreur. Les Écritures plutôt que la tradition et les enseignements de la parole de Dieu plutôt que les fausses doctrines proclamées par de nombreuses organisations déchues. Le message du troisième ange nous met en garde contre la marque de la bête. Dans toutes les prophéties bibliques, une bête représente systématiquement un pouvoir politique ou religieux. Cette puissance religieuse finit par étendre son influence sur le monde entier et prend la tête d'un mouvement visant à unir l'Église et l'État. Son objectif, parvenir à l'unité mondiale à une époque de bouleversement économique, de catastrophes naturelles, d'agitations sociales, de crises politiques internationales et de conflits mondiaux. Comme le dit Ellen White, les États-Unis finiront par prendre la tête de cette confédération mondiale. Le message des trois anges se termine par un appel urgent aux fidèles du Christ à garder les commandements de Dieu en cultivant dans leur cœur la foi vivante de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que signifie l'expression « ne dormons pas comme les autres » de 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Dormez-vous? Que faire pour le savoir? Et si vous dormez, que faudra-t-il pour vous réveiller? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Remue-ménage.